Eh bien, bonjour à toi, cher viewer, cher abonné, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Wreckfest, un jeu développé par Bugbear Entertainment et édité par THQ Nordic. Il était dans le programme du mois de février. Bon, il arrive début mars parce qu'il n'était plus en stock. Donc j'ai dû attendre le réapprovisionnement. Mais en tout cas, voilà, je te l'avais promis. Et on va se lancer directement dans une carrière. Évidemment, j'ai réglé la musique au minimum, ainsi que le son moteur pour évidemment que tu puisses m'entendre. Donc le but du jeu, ce sont des courses, c'est très arcade en même temps. Donc il y a le mode destruction, où le but est de survivre après avoir créé des accidents avec tes adversaires et avec tes opposants. Donc sans plus attendre, on va se lancer dans la carrière. Bon, il y aura une dizaine, une douzaine d'épisodes, et ça reviendra peut-être de temps en temps. Là ici, on n'est pas dans WRC, on n'est pas dans la Formule 1. Pas de compétition, pas de... le but c'est de s'amuser, le but c'est de passer un bon moment ensemble, que tu t'amuses bien aussi également. Donc voilà, on va se lancer dans la carrière, et puis on va essayer de s'amuser. C'est un jeu, on va dire, reposant, et puis en même temps, on va s'éclater. Donc voilà, j'espère que tu passeras un aussi bon moment que moi, et on est parti donc pour le premier événement dans la carrière. Alors ici... Poussière amère. Comme tous les ans, la foire agricole bat son plein. Cette année, vous avez été invité à faire une démonstration de vos talents aux commandes d'une tondeuse à gazon. Montrez aux paysans qui est le patron et vous pourrez repartir avec ce bijou de technologie au service des gazons. Oui, on va faire ça. Du coup, dans 3 minutes, on est 24 sur la grille, une manche. Alors, garage, options, bon ça, les options. Dégâts du véhicule, on va mettre pousser pour que ce soit réaliste. Et puis on va... Jour de départ, ça c'est bon. Donc ici, voilà. Commencer l'épreuve. Allez, on est parti. Ah bah là, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. On est sur la tondeuse à gazon. Ah oui. Arène de démolition. Ah bah, on est dans le dur, là. Direct. Donc voilà, ça c'est notre véhicule. Donc classement... On est bien 24. Allez. Détruire au moins 3 adversaires. Et c'est parti. Ah oui. Ah bah c'est... Ah oui, c'est pas rien. Allez, on va essayer de tenir le choc. Ah oui, c'est... Faut slalomer, là. Allez, on les laisse déjà... Voilà, on les laisse s'éliminer entre eux. Ah, c'est de la pure découverte, hein, ici. Ah oui, ben, disons, ça tamponne, hein, les bottes de foin. Voilà, parfait. Attention, c'est une tondeuse de marque, hein. C'est une tondeuse de marque. N'allez pas me l'abîmer. Ouf. On peut se réinitialiser, d'accord. Ah mais du coup, oui, on a été touché, on peut se relever, d'accord. Voilà, ça c'est fait. Allez, il faut survivre. Ah bah, on est tombé tout seul. Attention, là, on est en dégâts. Allez, là, on va essayer de survivre, voilà. On va essayer de repérer les cibles. Qui sont déjà bien touchés. Comme celui-ci par exemple. Voilà, on l'a eu. Parfait. Bon, attention, on est quand même bien abîmé. Hein. Bien abîmé. Attention, là on se fait percuter. Attention, on se fait encore percuter. Allez, la direction est abîmée. Là, la direction est abîmée. On est en slalom. Ah, là, il nous faudrait Mauricio. Hein. Il nous faudrait Mauricio, l'expert de la tondeuse à gazon. Ah, c'est très marrant. Ça fait du bien, un jeu aussi, où on peut se rigoler. Bah ben voilà, là c'est fait. Allez, il faut qu'on tienne bon. On est quand même bien abîmés, nous, hein. Attention. Il faut penser à survivre aussi, il reste 50 secondes. Ah, on est pris pour cible. Aïe. Aïe. Allez, on...
On n'a plus beaucoup d'énergie. Faut pas faire le fou. Dégâts critiques, frein endommagé. Là, il faut résister. Il faut slalomer. Attention. Ah là, il faut... Oh là, on est en feu. La tondeuse qui est en train de fumer. Ah là, il faut tenir bon. Oulala. Non, on vous a explosé. Ah, il restait 4 secondes, c'est cruel. Ah, on est premier quand même. On est premier. Ah bah on a gagné. Ah bah super. Alors qu'est-ce qu'on débloque? Échappement de sport, allumage de sport, trait de fenêtre. D'accord. Alors voilà, apparemment, donc on a gagné des pièces. On est déjà au niveau 4. Très bien. Et on débloque le véhicule. Parfait. Bah voilà une bonne nouvelle. Bah voilà, ça on a réussi le premier objectif. Alors ensuite, démolition racing. Ah bah ça peut être intéressant. Allez, on va se lancer sur ça de suite. Alors ici, démolisseur né. Si vous aussi vous n'arrivez que tout démolir, démonter, exploser, bienvenue. Peu importe si vous débutez grâce à ce circuit court et facile et à la voiture de classe C de votre choix, cette série rapide de course solo est faite pour vous. Ah bah allons-y. Alors au niveau du garage, choisissez votre voiture. Bon, on a juste celle-là. Donc apparemment c'est la voiture Hitman. C-121 Rocket, d'accord. Eh ben allons-y. Le jour de départ. On est parti. Allez, on va essayer d'aussi bien faire qu'avec les tondeuses à gazon. Ah, c'est top, hein, je trouve. C'est top, j'ai baissé le volume des musiques, hein, au minimum. J'espère que les musiques sont libres de droit. Sinon, on coupera les musiques pour l'épisode 2. Donc Midwest Moto Center. Allez, on va donner notre maximum. C'est parti. Voilà, on dirait quand même que les sons des moteurs sont assez forts. On va baisser encore. Hein. On va baisser encore. Et les moteurs des IA aussi. Voilà, on va baisser. Je n'ai pas les oreilles explosées. Moi non plus d'ailleurs. Ah oui, tout est permis, on dirait. S'il voulait bien s'écarter celui-là. Ah oui, là, ça tourne sec. Ouh là là. Ouais, bah, il y en a qui ont perdu pied. Popopo. On est troisième. Allez. Ah, ici la camionnette, hein. On va pas se laisser faire. Ah, il résiste, hein. Il est costaud. Allez. Oh là là. On a pris la tête. Il s'est complètement raté ici. Oh là, on se fait bousculer. Oh, le mur de pneus. Oh, c'est chaud. Alors, on entame le deuxième tour. Va falloir se rater. Là, ils sont tous derrière nous, hein. Allez, ça bouscule. Ouh là là. Ouf. Là, il faut tenir bon. On peut le faire. Le dérapage. Ah, il s'est crashé. Il s'est emplafonné.
Allez. Ouh, on a eu chaud. Mais on a gagné. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, allez, on finit devant Rakan et Uchi 13. Alors, on débloque des élargisseurs larges. Parfait. On prend 1110 crédits. J'imagine que c'est des crédits. Et 3709 points d'expérience. Parfait. Bon, ça va, c'était... On s'est bien débrouillé. Ah, il y a plusieurs épreuves. Ah, d'accord, il y a plusieurs épreuves. Bah, allons-y. On enchaîne, hein. On enchaîne. On est parti. En tout cas, j'espère que ça, tu t'amuses bien. C'est un réel plaisir, hein. J'ai vu que le jeu était extrêmement bien noté. 90% sur Metacritic. Allez, Savolac, Sandpit, itinéraire court. Ça n'a pas l'air de rigoler non plus. Allez, on est parti. Et on est mis en fond de grille ici. Il a raté son départ là, ici. Allez, on y va, on se laisse pas impressionner par la meute. Allez, on bouscule, on bouscule. Un bon départ ici. On se sert d'appui. Et voilà, hop. Tout est permis, hein. Tout est permis. Ouh, ça tourne. Ça tourne sec. Ouh. C'est bon, on est passé. Voilà, le premier, il est déjà loin. Par contre, il faut quand même penser à freiner. Voilà, le dérapage contrôlé, c'est pas mal. Ah, ils sont proches, hein, ils sont proches. Il faut pas se laisser impressionner. Ah, ça glisse, hein, ça glisse. On est pas mal, on est pas mal. On perd du terrain. Et ben voilà le... Ah bah là, la camionnette. Ouais, il nous a servi de contrefort, de contrepoids. Parfait. Merci à lui. Où est la route? Ah. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, il ne... Ah bah, il s'est pas laissé faire ici. Il a essayé de nous déstabiliser. Oh, c'est chaud. Et on termine troisième, je crois. Deuxième. Ah, on a réussi à passer. Ça s'est joué au pare-choc près, là, ici. Pas mal, pas mal du tout. On débloque des roues avant. Robo-Racer. On prend 3533 crédits. Parfait. Allez, on va passer directement à l'épreuve suivante. Alors, Firehawk Raceway. Allez, on enchaîne. Je pense qu'après, il y a le classement général. Comme dans toute compétition. Un autre tracé. C'est sur du bitume, là, ici. Hein. Firehawk Raceway. Allez, on y go. Encore, on essaye de réaliser un bon départ. Là, on tamponne surtout. Là, on trouve la camionnette encore. Là, on se fait bousculer. Il faut redresser, là, faut redresser. Allez, on se laisse pas faire. Et on se fait pousser. Ouh, c'est chaud. Ouh, c'est chaud. On a réussi à passer deuxième. À l'entraînement de la Formule 1, ça nous est bien utile. Allez, attention ici, ça tourne à gauche. C'est très bien fait, hein, c'est très bien fait. Il n'y a pas à dire.
Encore une fois, c'est le tin bleu hein, devant. Il est bon celui-ci. Attention. Et là, il faut assurer. Et là, ça se rapproche derrière. Hein. De pneu a été touché. Ça tourne sec, ça tourne sec. On arrive sur le troisième tour. Bon, si on finit deuxième, c'est déjà pas mal. Rien n'est fait, hein. Rien n'est fait. Et je pense qu'il y en a qui ont bien heurté là ici. Ouh, c'est chaud. Allez, on s'accroche. Derrière, ils sont à la bataille, c'est bien. Ça nous permet de... Oh, on a failli se rater, là, attention. Bon, je pense qu'on va finir deuxième. Là, on arrive à la fin du tour. Victoire de Team Bleu 95. On est deuxième, c'est bien. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. On a profité du combat des autres derrière. On va voir si on regarde le classement. C'est bizarre, on est pas dans les premiers. Ah, c'est classement général, d'accord. C'est pas classement par rapport à la compétition. D'accord, ben on verra. Alors on débloque des calandres, Crasher, Perfor et Rocket. D'accord, on prend 1090 crédits. Donc ça fait 3005 supplémentaires, parfait. Bon, on va enchaîner sur la dernière course. Ben allons-y, hop. Alors on espère que ça va bien se passer. Je le répète, hein, c'est extrêmement plaisant. Si tu veux acquérir le jeu, hein, n'hésite pas à cliquer sur le lien affilié, mon lien affilié dans la description pour bénéficier aussi d'une réduction supplémentaire et aider la chaîne aussi dans son développement. N'hésite pas. Allez, on y go. On essaye de faire un bon départ encore une fois. On profite des chocs devant. Allez. Ouh, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Attention. Oh, on a eu chaud. Attention de ne pas sortir de la route. Oh là là. Ouh, c'est chaud. Allez, il faut redresser le navire là. Laissez-moi passer. Ah, il nous pousse, hein, il nous bouscule. On va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. Et voilà. Avec tout ça, là, on est troisième. On va essayer de revenir sur Sunny 66. Il a l'air d'être en difficulté. Peut-être. Ah bah, nous aussi, là, on va y être. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Alors, on se fait percuter, hein. La camionnette. On la retrouve. Allez, on va le pousser. Il a perdu le contrôle, nous aussi. Allez, allez. Pour revenir sur col de zéro. On est
train de revenir, on est en train de revenir. Allez, on peut le dépasser. Il a raté son freinage. Parfait. Allez, faut pas faire l'erreur de tout à l'heure, voilà. Ah bah là, attention, bon. Il est sur nos talons. Attention. Ah, c'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment super, j'adore. Je pense qu'on va passer de bons moments sur ce jeu. Allez, victoire de Tindall encore. Je pense qu'il remporte la compétition. On est troisième et on fait une belle figure aussi pour les spectateurs. Super! Alors on débloque les petits échappements latérales Rocket Racer, d'accord? Et on monte au niveau 5. Alors on débloque le collecteur d'échappement de sport, arbre à cam de sport et pare-buffle, d'accord? Très bien! Alors est-ce qu'on gagne quelque chose? Donc position finale, deuxième. Très bien. Bon, ça c'est fait. Allez, on va encore faire une compétition. Démolition derby. Découvrez l'enfer sur terre. Préparez-vous à la boue, foule en délire et à la fumée. Acre des moteurs en sur-régime au cours de cette épreuve où le seul objectif est de démolir l'adversaire. Toutes les types de voitures sont autorisées, alors ça risque de ne pas être une partie de plaisir. Ah bah ça s'annonce bien. Alors, choisissez votre voiture. Afficher tous les véhicules. Ben, non, on va pas rouler avec la tondeuse à gazon, je ne crois pas. Est-ce qu'on peut modifier le véhicule? Acheter, voilà, des peintures. On va changer comme ça. Est-ce qu'on peut changer le design? Ah bah ça peut être pas mal aussi ça. Ah bah voilà, cool. Attends, on peut aussi faire une couleur personnalisée. Non, on va laisser comme ça pour le moment. Puis sauvegarder. Installer les améliorations. Ça, est-ce qu'on peut? On va regarder ça ensemble. Ah oui, on a débloqué des trucs, mais ils ne sont pas accessibles. Ici. Ah ça, on peut le mettre par contre. Ah bah c'est les pièces qu'on a débloquées. On va mettre ça. Voilà. Refroidissement. Alors on a ceci. Bon bah on va mettre celui-là. Ah, ça coûte 163 crédits pour l'installer. Alors ici on passe à... On a une meilleure accélération là aussi. Alors on va mettre ceci. Parfait. Circuit de carburation. Allez, on met ça aussi. Alors, allumage. Bon, ça, on l'a débloqué tout à l'heure. On passe en accélération 3,9. Voilà. Le collecteur d'échappement. On va mettre en sport aussi. Voilà. Le piston de série. Ah bah, encore pour l'accélération. Là on a juste les streets, mais c'est ceux qu'on a débloqué aussi tout à l'heure. Ben voilà, c'est pas mal. Ah, il y a le blindage aussi. Voilà, c'est tout bloqué. Non, si, on met quand même du blindage. Et en visuel, c'est quoi? Ah, on a des nouveaux pneus. Ah, c'est pas mal cela. On va mettre ça. Ou arrière. On va mettre les mêmes. Voilà. L'échappement, on va mettre le crasher. Ah bah voilà, ça fera de l'essence qui sortira par le capot. Pas mal. Non, du coup, bon, ici, nous on va mettre ça à l'arrière. C'est du tuning là, ici. L'élargisseur d'aile. Pas mal.
ici les calandres. On va mettre ça. Et ça, c'est quoi? Non, ça, c'est... non ça, ça fait un peu ridicule. Malgré tout, c'est pas mal. Allez, jour de départ. Allez, là, le but, ça va être de survivre. On est parti. On est parti, on est parti. On va tout donner. Et puis, on va détruire comme on peut. On va casser de la tôle. C'est parti. Ah oui, il y a des sacrés volumes. Ça va être chaud. Allez, on est parti. On est parti, on est parti. Wouhou ! Allez. Là, il a voulu nous cibler. Allez, on part en glisse. Allez, on... Voilà, pas mal. Ouf, 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 ouf. On évite, on évite, on évite. Voilà, celui-là, on le tape. C'est bien. Là, on se fait taper. Et ça glisse, et ça glisse. Allez, il faut être réfléchi, hein, quand même. Celui-là, il est bien abîmé. Voilà. Il est affaibli. Alors, de toute façon, on se fait viser ici. Ah, celui-là, il est pour nous. Ah non, on n'a pas pu le... Il faut reculer, il faut reculer, il faut reculer. Oh là là. On ne va pas jusqu'au bout. On n'a pas réussi à l'avoir. On va endommager. Aïe aïe aïe. Celui-là il a été éliminé. Oh. Celui-là, il est pour nous. Et voilà. Celui-là aussi, il est pour nous. On est encore 15. On a perdu la roue avant gauche ici. On a perdu la roue avant gauche. Ah, il est déjà battu celui-là. Attention, attention. Faut pas te voir trop beau. Là, il faut cibler, il faut cibler. Alors celui-là, voilà. On va prendre de l'élan. Le monstre 78 là. Oui, oh, celui-là sinon. Ah, il nous a arrêté dans notre élan, dommage. Ouf. Ouf, 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 ouf. Allez, faut redresser le navire. Faut redresser le navire, on est encore 10. Évidemment, on est pris pour cible. Hein. Attention, quand même, on n'a plus que 38. Faut être prudent. Hop, 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 hop. On est encore 9, on est encore 9. Ah là, il y en a. Celui-là, il est pour nous. Drake Darkstar, si on arrive à le cibler. Ah bah, on n'est plus que 7. On n'est plus que 7. Ah, on l'a pas eu. On l'a eu. Elle se règne. Attention, attention. On est encore 4. On est encore 4.
va en pâtir. Ouf. Dégâts critiques. Est-ce qu'on va tenir? Ça part dans tous les sens, là. Ah, on l'a raté. Là, on se redresse, on se redresse. On n'est plus que trois. On n'est plus que trois. Quatorze, on n'est plus que deux. Ah là, c'est le duel final. C'est le duel final, il est où? Il est où? Il est où? On a encore de la vitesse. Non, autant pas se faire de dégâts. Ah non, encore deux adversaires. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh, on est dans un sale état, on est dans un sale état. Il y en a un qui est en train de s'en mêler, il est coincé dans le trafic. Ouf. On est presque cuit. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. On est pris pour cible là vraiment. Qui va tenir? Attention! Ouf! Il nous cible vraiment hein, celui-là. Là il faut être stratégique hein. Au moindre contact, on est foutu. Ouh, il m'a fait peur celui-là. J'essaye de sortir. Aïe! Ah, on s'est fait avoir. Bon, on est dans les trois derniers. On est troisième. On est troisième. On est défoncé. On est défoncé. Ah, c'est excellent. J'adore, c'est excellent. Allez, on gagne. Ah ben, on regagne apparemment une décoration de voiture. 1080 crédits. Et c'est bien, pas mal de points d'expérience. On termine troisième. On termine troisième, c'est bien. Bah écoute, chers viewers, chers abonnés, je pense que pour un premier épisode, c'est déjà pas mal. Je me suis vraiment amusé hein, sur cette session. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi. Si tu me découvres par cette vidéo, sache que je réponds à tous les commentaires. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager pour mettre en avant cette nouvelle série. N'hésite pas également, si tu me découvres par cette vidéo, à visiter la chaîne et les différents jeux, les différents styles de jeux qui sont présents, notamment ben, les jeux de Formule 1, les RPG, les jeux de rallye, les jeux de simulation comme ETS2 notamment, les jeux de vélo. Il y en a pour tous les goûts hein, sur la chaîne de GeoGame. Donc en attendant, on se retrouvera très bientôt pour la suite de cette carrière et de cette série véritablement très amusante. C'est véritablement très fun, ça fait plaisir, un jeu comme ça. Donc comme je l'ai dit, j'espère que tu as passé un aussi agréable moment que moi. Si tu me découvres par cette vidéo ou si tu souhaites me soutenir de manière plus poussée, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour bénéficier d'avantages exclusifs. Évidemment, selon tes moyens et tes possibilités. En attendant, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Surtout, prends soin de toi, et moi je te dis à la prochaine. Salut! Évidemment, n'oublie pas de remercier les souscripteurs à la chaîne, qui font partie de la GeoFamily. Un grand merci à Ghislaine, Céline, Alexidé, MF7, Victorino, Alpha Austin et TLRC. Un grand merci à vous, et à très bientôt!